êtes une honte pour l'humanité. Viens voir tous ces putains de mecs qui croient faire leur boulot en cherchant. Ah, vous avez 10 charniers dans votre film. Mais je vous ai précisé qu'il n'y avait que 3 morts. Eh bien, regardez, on va aller compter les douilles. C'est quoi qu'il vous faut comme preuve maintenant, France Info, Libération? Regarde, mais montre-leur, Yann. Oui, montre-leur que je saute devant la caméra le jour où je serai morte, c'est là où vous allez commencer à m'aimer. Ah ben finalement, disait pas que des conneries, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que vous êtes comme ça. Faut que les gens crèvent pour qu'on croie à leur travail en France. Est-ce que madame de France Info qui m'a appelé voulait que je les compte maintenant les trucs là pour dire qu'il y a eu la guerre? Ou j'ai le droit que de dire que c'est un carnage? J'ai tout filmé hier. Alors on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a peut-être 300. Et vous allez me reprocher de dire qu'il y en a 310? Sortez de votre desk. Ça te fait quoi, Yann, de voir tout ça? Allez, continuez de démonter Donbass 1. Cherchez la petite merde. Là où il n'y en a pas. Continuez. Ça permet de détourner l'essentiel, c'est ça que vous cherchez? De poser les vraies questions? Mais moi, je ne suis pas étonnée de la défiance des Français envers les médias. Parce que même moi, je deviens d'une défiance absolue envers cette profession. Et vous trouvez toujours, toujours courir pour que je me dise journaliste. C'est une étiquette qu'on m'a collée. J'ai dû mettre ça sur les réseaux parce qu'on est obligé de mettre une biographie. Eh bien, je préfère la définition de Pierre Péan, enquêteur. C'est ça que vous devez faire, des enquêtes. Et pas du scoop, comme Libération m'a demandé. J'ai photographié quand tu m'as écrit. Oh, c'est pas du scoop quand Porochenko tire sur sa population. Vous voulez du scoop? Mais là, vous en avez du scoop. Coupe.